Eh bien, yo tout le monde les gars, donc on se retrouve pour le quatrième épisode de mon Let's Play sur Battlefield Bad Company 2. Voilà, donc désolé, j'ai un peu couru là. Dans le dernier épisode, on avait repéré à peu près l'endroit où se localisait la bombe intergalactique solaire, je sais pas trop quoi. Et du coup, on va devoir la chercher. Enfin, je dois juste aller à trois endroits différents pour cela. Et du coup, on va s'y mettre. On va juste baisser un peu le son, c'est un peu fort pour moi. Voilà. Donc, en 30 secondes, j'ai résumé l'épisode. Enfin, bref. Alors, voyons voir. Oh, t'es plutôt direct, toi. Bim. Ensuite il y en a encore. Non, il n'y en a pas ici. Ah si. Ok. On a une caisse, on a déjà nos deux armes d'avant, donc c'est bon. Parfait. Par contre, là, il y en aura de assez haut, je crois. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'on sera super facilement kill. C'est petit. Alors, reprendre au point de contrôle. Ok, alors on va tout refaire à zéro. Allez, parfait. Ah putain, mais t'en as 3 milliards. C'est bon, on l'a eu. Lui aussi, on l'a eu. Et il en reste encore un ici. Et ben là, on est bon. Parfait. C'était pas si compliqué finalement. Je vais recharger comme ça, on est à fond. Attention, recharge, parfait. Et là on arrive au sommet, donc à un genre de château. Parfait, toi bim. Oula, on a juste des petits problèmes, de très gros problèmes même. Mais t'es sérieux? Mais mec, c'est une blague. Je les rate tous. Mais vraiment tous. Hein. Je n'ai même pas encore touché une fois, sachant qu'il faut que je touche deux fois. Je suis une merde. Je suis une grosse merde. On va prendre une fois celui-là là. Comme ça on va déjà pouvoir viser celui-là.
Oh. Alors, toi tu bouges pas. Oh, je l'ai mis une fois, les gars. Oh, le miracle. Aïe, ça fait très mal. Hein. Évidemment, la deuxième fois, ça marche pas. Sinon, ce serait trop simple. Ah, vas-y, ça, casse-toi, ta pute. Tu pèses pas le niveau. Tu reviens pas. Parce que t'en veux encore ça. Hein. Attends, mec, elle est passée entre le missile et entre l'arrière, quoi. Là, c'est... Ah, je crois pas. Dernière mission. On va bien attendre qu'il stabilise et on va bien shooter comme ça. Et t'es pas mort. Ok. Puisque tu veux jouer à ça. Allez, mon pied. Vas-y, c'est bon, là, tu l'as. Bien sûr. J'arrive vraiment. Et voilà, le talent, les gars, le talent du premier coup, on l'a eu. Ah, franchement, c'était beau. Moi qui voulais sauter. Ok, bon, alors, voyons voir le petit truc qu'il y a là-bas. Tac, tac. Et... Parfait. Parfait, tout ça. C'est assez chaud l'épreuve des hélicos là, par contre. Voilà, c'est fait. Mais... Merde. Preston, je vais devoir rester ici pour maintenir le signal. Va falloir que tu changes de position pendant que je fais certains réglages. Et moi... J'en profite pour voir ce que je peux découvrir sur ce cher Aguayer. Oh ouais, sans gréder. Il y a un véhicule ici, nickel. Je t'envoie les coordonnées tout de suite. Ok, bon. Ok, y en a marre de marcher. On va prendre ce véhicule. Parfait. Maintenant on va aller au suivant tout simplement. Attends, parce que tu vois une route toi. Ouais. On va aller regarder au petit château fort. Enfin au château là-bas. Je crois que c'est là-bas qu'il y a le deuxième truc. Super. Non. Ouf. T'imagines la marche pendant tout le long là. Oh non. C'est une blague. Attends, non, c'est bon, tu rigoles. Hein, c'est... Oh putain, énorme la blague. Oh parfait. Ça c'est le talent les gars. C'est le talent. Bon, ok, alors on va juste devoir traverser tout le désert. Ça c'est un peu long, mais c'est pas grave, c'est déjà mieux que marcher. Oh, on a aussi une vue à la troisième personne. Qui est aussi vraiment bien stylé. Et nous on peut rentrer par ici. Vous pouvez me suivre, hein. c'est pas vrai. Wow. Aïe.
Bim. Et toi. Bim. Parce qu'on va vraiment devenir chaud par contre. On est à peu près au milieu du jeu et c'est vraiment chaud. Mais c'est pas par ici, par contre là-bas c'est une caisse mais ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse c'est par ici. Stop, stop. On va se faire toucher. Attends, un coup tu pars, un coup tu reviens. Ça sort plus tout monter comme ça. C'est du délire. Ok, bon. On se met bien à couvert. Mais attends, mais d'où tu viens ici, toi? Nickel, tout ça. C'est ce qu'on doit passer? On va bien voir. Pas par ici, ok. C'est par, je sais pas. Non, c'est, ça doit être par là, non? Ah, c'est par gauche. Ok, ok. Allez, vas-y, vise-le. Et toi. Super. C'était super rapide, ça. C'était carrément rapide. Ça a marché. Je suis vraiment surpuissant. Hey, si jamais il m'arrive quelque chose, vous savez, je veux qu'on m'enterre près du stade des Cowboys au Texas. Ok, on se bat avec. Bon, nous on va continuer. Nickel. Toujours avec mon pote, le sergent là. Et on va direct pouvoir aller vers le phare. Je crois que c'est vers le phare, ouais, ça doit être vers là-bas. Allez, allez. On est déjà à 15 minutes de vidéo. C'est plutôt pas mal. Ouais, moi aussi, mec. Moi, si je veux, j'ai de l'eau. Ok, c'était la merde. Wow. Alors déjà les gars là on va dire que se calmer parce que dire que ça va pas aller. Déjà là je me prends une balle de sniper quoi. Super. Une fois. Deux fois.
trois fois. Ça doit être tout, ouais. 4 fois. 5 fois. 6. Non. 6 fois. 6 fois. Alors toi t'es du haut level toi. C'est vraiment du haut level toi. Du coup il y en a 7. Si j'ai bien compté. Ce qui veut dire qu'il va me faire respawn au début. Sinon c'est pas drôle. Alors. Voilà, qu'est-ce que je disais. Ensuite ici, ouais. Après ici. Ensuite un mec là. Et ensuite le mirador tout en haut. Nickel. Je crois que ça devrait être tout dans la zone. Ouais c'est tout, bah nickel. On a vraiment bien géré pour le coup maintenant. Bon on va aller en véhicule, il y en a juste un ici. Du coup ça tombe juste vraiment à pic. Wow, 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 je vais tomber hein. Bim. Oh putain, attendez le bug. Ça c'est juste énorme. Ah pour le coup ça c'était énorme. Dans mes souvenirs je croyais pas qu'il y avait autant d'ennemis dans cette petite zone. De toute façon normalement je crois qu'on est spawn dans le véhicule donc ça devrait plutôt être bon. Les lance-missiles montés peuvent être à bas des hélicoptères ou traverser le blindage. N'oubliez pas de garder le ridicule sur la cible jusqu'à l'impact. Ok. Donc les missiles c'est les trucs blancs là. Les grands missiles. Alors toi, fuck you. Toi, fuck you. Et ensuite, il y en a un sniper, je sais pas trop où il est. On va vite se mettre à cover ici. J'ai pas compris d'où je me suis fait tuer. Ah, c'est bon. C'est vraiment, vraiment chaud. Allez. Wow. Ah c'était par lui, je m'étais fait toucher je crois. Ouais, ça devait être pour ça. Wouah, je ne comprends pas là où c'est quoi. On va killer le mec qui est devant nous, on va killer le mirador et après on va sortir du véhicule parce que sinon je sens qu'on va. Ça va juste être impossible. Si on s'approche du mini, elle explose. Waouh, bien joué, bien joué, bien joué. Franchement, je savais pas.
Ah, tu peux plus rien contre moi, hein, t'as le seum. Mais voilà, il y en a plein embusqués ici. Ah bah toi tu prends rien, toi t'es tranquille. Hein. Les mecs qui te font le plus mal, c'est comme ça qu'ils sont juste à côté de toi. Eux ils te niquent d'une force. Sans moi, je me débrouille. Bon, je te rappelle juste que maintenant je suis seul, mais c'est pas grave. Bon, ok, alors du coup, nous, je crois qu'on doit aussi aller à un petit point de contrôle. Ouais, c'est ça. Mais nous, il y aura pas d'ennemis, donc ça va être tranquille. Alors, faudra juste qu'on m'explique comment tu fais pour tirer là. Parce que là, j'avoue que là, ça m'échappe. Ça m'échappe, mais vraiment. Bon, il y a plein de petits becs comme ça, très très amusant. Par contre, là on prend assez cher. Waouh, mais on peut pas, on a 3. Attends, on va se prendre un roquette, on va mourir. Bah non, tout ça, faut pas se prendre de roquette. Ouais mais attends. On est tous d'accord pour dire que j'aurais dû mieux conduire du phare à la ville. Bon c'est pas grave, c'est juste une grosse perte de temps de merde. Donc, du coup là je crois qu'on va devoir aller à un point, on va devoir relier puis on va pas. Et après on va devoir aller à la localisation du bateau, voilà. J'ai vraiment du mal sur localiser là. Alors vas-y entre. Là tu fais ça, tu te mets à la vue à la troisième personne, comme ça on est tranquille. Tu roules bien en mode tranquille, il n'y a pas de soucis, peinard. Pas besoin de rouler sur les caillasses. Vraiment tranquille, tu vois, tranquille. Tu quittes 2-3 miradors en passant. Et puis nickel, on est bon. Tu veux juste descendre. Tu vas aller à droite, à gauche, à droite. Tu vas accélérer de ouf là pour le coup. Bien bordel, accélère. Ah voilà. Ah ça c'était un beau tremplin par contre. Et nous on va direct passer par ici comme ça on est tranquille. Voilà. Putain compliqué là. La sortie là c'était compliqué. Ah c'est juste là, bah, parfait. Bien joué Marlo. Triangulation réussie. Tu devrais voir le cargo sur ta carte maintenant. On va prendre le petit quad. Ok. Alors là, je crois qu'on va un peu galérer. Trouver un chemin vers le sangre delto. Alors là, il paraît qu'il y a un truc. Peut-être passer par la sortie de séquence, on va tenter. Non, on peut pas, ok. On peut pas. C'est sûr, là, on peut pas. Je pensais qu'avec le petit tremplin, ça allait le faire, mais non. Mais je crois qu'il y avait des petites des petits barils d'explosifs et du coup on va pouvoir tirer dessus. Je crois, je sais plus trop où ils sont, donc on va devoir un peu super, on a tapé tout chemin, donc on va devoir un peu chercher. Hop, on accélère. Ah, c'était pas le sangre del Toro là, le bateau là. C'est pas lui? Non, je crois pas. Mais frère, tu te prends un caillasse, tu meurs, c'est la mort. Quoi. Non, mais sérieux.
ça c'est compliqué là. Bon, on a 25 minutes, on va quand même essayer de pas dépasser les 30 minutes avant. On va comment là. Je vais refaire ma phrase. On va essayer de réussir la petite étape avant 30 minutes. Allez, cette fois-ci les gars, c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est la bonne. Voilà, on se met ici. On se gare. Tac. Alors regardez, ils sont là. Les petits barils. Parfait. Et maintenant, on va pouvoir rentrer dans le véhicule. Aller à gauche, aller à droite. Et puis tout simplement passer comme ça. Bah nickel. Ok, alors là on tombe sous un genre de coque de bateau. Ouais, aussi pareil, là pareil. Toujours et encore. Ouais, donc on est vraiment sur de l'épave de bateau. Bah, attends mes frères. Voilà, bim. Ça doit être celui-là, ouais. Effectivement, là, je pense qu'on est dessus. Et voilà. Je me retrouvais dans un cargo soi-disant disparu, à chercher quelque chose qui aurait dû rester enfoui. Mais j'avais mes raisons. Moi aussi, je voulais rentrer. Et puis je l'ai trouvé. Et c'est là que tout a basculé. Super, je croyais qu'il allait avoir une cinématique. Bon, on va juste attendre le coup de la grenade, voilà. Je peux pas recharger. Ah ouais, j'ai plus de balles, ok. Ah. C'est quoi si je tire? Ça ne fait absolument rien. Tout ça pour rien, c'est une blague. Super. Allez, pour la peine, bim. Voilà, je gâche mon balle pour des petits barils de merde. Ouais, ça doit être ici du coup. Escalade au calme, on se met bien. C'est cette fameuse opération Aurore. Je crois qu'on a tapé dans le mille. Quoi ? Mais c'est génial ! Sergent, laissez-moi lui parler ! Continue, Preston ! Non, attends, je connecte les voyeurs aussi ! Ok. Ouais. Waouh. Apparemment, on savait que les Japonais possédaient la technologie scalaire dès 1943. L'opération Aurore, c'était une mission suicide. Et on a sacrifié tous ces soldats. Tous. Wyatt. Faraday. Wyatt? Ils savaient? Ouais. Ils avaient même estimé les pertes à l'avance. Ils voulaient sûrement vérifier les capacités de l'arme. Minute.
Bon. Vérifiez ce code. Sierra, Foxtrot. 1079. C'est bien un préfixe militaire américain, mais je ne trouve rien du tout. Il y en a beaucoup. Difficile à dire. J'en vois qu'un. Prends-le et ressort au plus vite. Ça craint vraiment. On retire tous nos agents de la zone. Bien reçu. Première fois qu'on entend Marlowe parler autant. Depuis tout Battlefield. Bon alors du coup là on se retrouve dans quoi comme genre de zone? On n'abandonne personne, ok. Après ça, les Russes ont vraiment commencé à nous mettre la pression. On est parti vers le nord pour rejoindre la voyeur. Et on a bien failli réussir. Ce truc paye vraiment pas de mine, hein? Ouais, faut pas se fier aux apparences! Rappelez-vous la fameuse histoire du cheval de Troie! Moi j'ai vu que un. Troie! L'Iliade! Sacré bouquin! Quoi qu'il en soit, on doit rapporter ça à Aguirre au plus vite. Je sais pas. Ce type m'inspire pas confiance. Dis, t'as trouvé quelque chose sur lui dans le terminal? Pas vraiment! C'est un vrai fantôme! On nous attaque! C'est un diable! Je vais me poser, les gars! Arrête, merde! C'est pas le moment de jouer les héros! Allez-y! Sautez tous! Ça ira! Oh! Wow, 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 ok. Wow, attends, quoi? Ah ok, tu l'actives tout seul, pas de soucis. On va essayer d'aller le plus loin possible quand même. Non, en fait il m'oblige à aller ici, super. Trouver une zone dégagée pour... Alors déjà il est où ton parachute? Retrouver les membres de l'équipe disparue, ok. Alors déjà ici rien. Là, on entend des coups de feu. Marlowe, en position, là. Unité en approche. Une minute, peut-être moins. Ok, donc attends déjà d'où on savait qu'il était là. Allez, c'est parti, au boulot. Bon alors là on a le sniper de truc, donc c'est une barrette. Donc c'est pas puissant. Ouais ici. Bon assez chiant parce qu'à chaque fois on doit faire ça. Ah toi tu vas te calmer direct. Parfait et... Ouais là j'avoue ils sont vraiment partout. Non alors là c'est fail. Déjà, on va pas se mentir, avec un pistolet c'est 10 fois mieux. Tac, on va juste recharger vite fait. Ah ok. T'as pu me dire avant s'il te plaît hein.
coup les gants de tout reprendre depuis le début. Voilà voilà. Les pompes font toujours de très jolis éboulements. Détruisez-les pour perturber l'ennemi. Vous trouverez bien un moyen de traverser ailleurs. Ok. Ok, alors on va juste essayer de faire. Ah non, c'est bon, en fait il a. J'aurais pu faire la collate. Il a sauvegardé à cet endroit. Voilà. Il y en a encore un juste ici puis on sera bon. Ah ouais, t'es sûr d'avoir faire ça. Planque-toi mec, sniper dans les arbres. C'est vrai. Quoi ça? Ah oui, mais bien sûr. Entre les deux yeux, magnifique. Ah, j'ai abattu un arbre juste avec une balle. C'est là en cours, ok. Alors j'ai une balle super bien. Super. Bon déjà je commence par killer les ennemis. Hein. Et on va. Déjà on va sélectionner ça, ouais. Mais on va essayer de chercher dans la caisse. Alors déjà ça, à la place de ça tu vas prendre la T8 SSR, voilà. Et à la place de ça tu vas prendre un petit lance-roquette. Putain, tu l'as pas shooté ou quoi? Allez. Voilà, et c'est bon, parfait. Bon, assez difficile quand même. C'est bon, nickel. Voyons où est partie cette unité. On a à nouveau nos armes et tout, c'est parfait. Bravo 2 ici, bravo 2 Alpha, vous me recevez. Jean, sergent, ici, Sweetwater, je suis avec vous. Ok, je répète. Ici, bravo 2 Alpha, vous me recevez, bravo 2. Sergent, c'est pas vrai, pourquoi tu as fait ça? Nous on les capte mais ils nous capte pas. Ça c'est dommage. Peut-être que Flynn a raison. Je devrais surveiller un peu mon karma. Toi aussi Marlo, allons-y. Non moi je m'en bats les couilles. Bon on avance très rapidement. S'est fait capturer, on peut pas l'abandonner. Bravo 2, soyez pas idiot. Il nous faut absolument le mélange pour en avec notre équipe extraire le pilote. Le mélange? Comment vous savez que c'est un mélange? Vous disiez pas savoir ce que ce navire transportait. Ça suffit, rapportez-moi ce cylindre. On n'a pas de temps à perdre en mission de sauvetage à la noix.
Vous avez les coordonnées. Faites votre boulot. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Merde, mais dites quelque chose! Et merde, c'est pas pour vous? Mais moi, je crois bien qu'il est grand temps d'aller aider notre hippie coco gauchiste préféré. Agarde, pour une fois, je suis entièrement d'accord. Ok, super. Alors, bon. On sait où ils ont emmené Flynn? Pas exactement, regarde. Mais attends, mes frères. Bouge. On va prendre un petit sniper. On va juste attendre qu'il monte. Tac, il y en a peut-être un ici encore. Non. Wow. Pas genre un sniper. Ça c'est ça la combat. Et ça c'est quoi? Ah. On n'a pas besoin de recharger, bah nickel. Ah, voilà. Non, je le vois pas. Oh, attendez, il y a 2-3 mecs qui m'échappent là. Alors, il y a un mec ici. Peut-être un mec ici, non. Tuez-les tous. Trappez-les tous. Ah, il faut que je le dise. Ah, ça me tient de là-bas. Je rigole. Bon. Vous savez quoi? On va descendre. On va descendre. On va prendre un SSR et puis on va descendre. Par ici, ça me semble pas mal. Bon, du coup, on a déjà nettoyé un peu la zone, ça c'est aussi bien. Que je peux te sauver toi. Non, t'es déjà mort. Par contre toi ici je peux te sauver. Merci pour le coup de main mec. Oh. Méga cher, on prend méga cher. Nickel, alors on va juste libérer quelques soldats quand même. Voici, on a. Je crois pas qu'il y en a, mais sinon. Bon bref, ça changera à la suite du jeu, donc c'est pas grave. On va juste recharger un peu de munitions, nickel.
priver d'un coup. Alors toi je peux te libérer. Et toi je peux te libérer. Merci mec. Où est-ce que vous êtes? Du coup. Là. Là. On a repris le contrôle de l'avant-poste. Ben parfait. Ok, alors, oh putain, on a 46 minutes, on va s'arrêter ici. Ouais, donc sympa plutôt par là. Non, je vais peut-être un peu continuer en fait. Juste rejoindre le petit point, voir ce qu'il y a. Ah bah, juste rejoindre d'ici. Je croyais que t'étais un pacifiste. Tu sais, même Bouddha devait se mettre en rogne de temps en temps. Oh. Salut. Ah, viens. Ok, je vois que tout roule, les gars. Oh. Avant que j'oublie. Waouh. Alors là, un vrai don du ciel. Qui va te filer le cancer. Bon, c'est quoi votre plan pour sortir d'ici? Il y a une base. Un peu plus bas. Elle était pleine d'hélicos, alors. Parfait. Alors, en route. Ok, alors les gars, nous on s'arrêter ici. Regardez. Donc les gars, moi je vous dis vraiment merci d'avoir regardé cette vidéo. Et donc je vous dis, ciao, bye, peace. Si meilleur.